Alors l'objectif du Rocalive, donc depuis 6 ans, nous essayons de réunir essentiellement des écrivains régionaux, mais de les mettre en contact avec les habitants de la région, de façon à faire découvrir leurs œuvres, les faire découvrir l'écriture également, donner envie aux gens de lire. Ça me permet de faire des rencontres avec des auteurs régionaux que j'ai l'habitude de voir par ailleurs. Ça m'apporte de l'échange, partager mon aventure, vendre mon livre. Rencontrer des gens, échanger, peut-être réussir à vendre quelques livres aussi. Bien, il y a l'intéressement de parler avec des gens, de côtoyer d'autres auteurs que l'on ne connaissait pas. D'abord, j'habite à Rocamadour, donc évidemment, Rocamadour, c'est mon lieu de résidence, c'est un lieu sympa que j'aime beaucoup. Secondo, j'ai trouvé l'idée bonne d'y participer, puisque mon livre, je l'ai fait publier cette année. Donc voilà, c'est mon premier salon du livre à Rocamadour, et je pense que ça ne sera pas le dernier. Tous les ans, on a environ une quarantaine de participants. Et le midi, on fait un pot de l'amitié, disons, où tout le monde se retrouve autour de la table. Le maire nous fait l'honneur d'être parmi nous. Le Salon du Livre est un événement culturel très important sur Rocamadour. Et il est important pour nous de mettre en évidence et de valoriser nos écrivains régionaux pour les faire connaître du grand public et notamment des lotois. Donc il ne faut pas que les gens hésitent à se rapprocher de la culture, faire des découvertes, être curieux, et c'est le propre de l'homme aujourd'hui, donc il faut qu'on maintienne ce type de manifestation. On remercie déjà tous les écrivains qui nous sont fidèles et puis tous ceux qui viennent découvrir Rocamadour en pensant qu'ils auront passé tout au moins une très belle journée dans notre région.